silence. Puis si quelqu'un peut parler pendant une seconde, comme ça, ça détend un peu l'atmosphère. Ouais, c'est bon, merci. J'habite un placard parisien pour 629 mètres carrés. Vivre à Paris, c'est pas rien quand les parents peuvent pas casquer. Je suis à la fac toute la journée en langues étrangères appliquées. Le soir, c'est la mienne qui s'applique pour satisfaire des hommes pleins de fric. Je sais pas si on est tous égaux. En attendant, j'ai deux métiers pour pouvoir remplir mon frigo. Je suis étudiante, c'est compliqué. Je suis pas le genre de petite merdeuse qui s'offre un mec de 50 ans pour courir s'acheter bien heureuse le tout dernier sac Saint-Laurent. Dans les bras d'un type plus âgé, le genre qui pourrait être mon père. S'il est pas beau, il a payé, et moi je perds tous mes repères. Comme dans un bon Tarantino, je vois des mallettes pleines de billets. Pour pouvoir remplir mon frigo, je suis étudiante et t'as deviné. Au tout début, je voulais pas le croire. Je suis pas de celles qui font le trottoir. Mais un pseudo et un mot de passe te font passer des pattes aux passes. Mon père travaille comme ouvrier, ma mère galère comme infirmière. Lui me croit serveuse au café, elle n'ose pas lui dire ma pauvre mère. Je fais le plus vieux métier du monde. Pourtant j'adore étudier. Mais pour remplir mon micro-ondes, je suis étudiante et t'as deviné. Pour les frais de scolarité, bientôt je vais me repentir. Bientôt j'aurai un petit ami. Je n'en peux plus de leur mentir. Peut-être qu'un jour j'aimerais Paris. Je sais pas si on est tous égaux. Et moi demain, mon vrai boulot, il me remplira l'estomac. Je serai traductrice pour le cinéma. Je sais pas si on est tous égaux. Et moi demain, mon vrai boulot, il me remplira l'estomac. Je serai traductrice pour le cinéma.